Salut à tous, encore une belle découverte dans Déguster et approuver, la série qui vous parle de gastronomie, de produits du terroir et de bonnes tables, et tout ça en Alsace bien sûr. Nous sommes au pied du château de Lortembourg pour vous faire découvrir le domaine Edelweiss situé entre Chervillers et Châtenois. Dans cette exploitation familiale, tenue par Nadine et Sylvie, le savoir-faire et la tradition vinicole se transmettent depuis 3 générations. Amateurs de bons vins et de bons créments bio, vous avez frappé à la bonne porte. Bienvenue au domaine Edelweiss. Nous sommes situés à Châtenois, à l'entrée du village de Chervillers. Ma sœur et moi, nous avons repris ce domaine il y a une vingtaine d'années. Et nous nous sommes également lancés dans la culture bio, ce qui nous a apporté une belle diversité dans la gamme. Nous avons rajouté dans cette nouvelle gamme des cuvées au prénom de nos enfants. On a lancé la cuvée Olivier. Ce sera un vin original avec une belle maturité, une belle richesse. Nous avons également créé la cuvée Evan. La particularité de ce vin, c'est qu'il est bouché avec des bouchons en verre. C'est un vin qui est très concentré, très riche. Notre troisième cuvée, c'est la cuvée Léane. C'est une cuvée particulière parce que Léane est une fille qui a beaucoup de caractère. Donc cela, c'est une cuvée avec un mix de 3 cépages. C'est un vin qui va être très agréable à boire. Nous avons une très bonne réputation pour nos créments. Nous en avons 5 différents à la carte. La famille Blumstein vous reçoit avec plaisir au domaine Edelweiss. À bientôt. Tchin.